Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des 3 mois. Attention les gars, 3 mois, le minoxidil. C'est pas beau ça? Franchement. Un grand merci à vous les gars parce que cette semaine on a atteint les 219 abonnés sur ma chaîne. Merci. Merci encore pour tous les petits Snapchat qui font super plaisir. Les personnes qui sont à l'écoute. Moi, je suis à votre écoute, mais alors vous, les gars, franchement, vous assurez, c'est un truc de malade. Merci à tous. Franchement, j'espère que la chaîne, comme je me répète toutes les semaines, j'espère que ma chaîne va se développer grâce à vous et j'espère pouvoir vous apporter plus de contenu encore dans les semaines à venir et les mois à venir. Donc voilà, donc je vais faire une petite parenthèse. Si des marques regardent ma vidéo, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse présenter des produits pour vous. Et voilà. Et franchement, ça serait avec un grand plaisir que je ferai des vidéos par rapport à vos marques. Et voilà. Après, par contre, je serai honnête. Si c'est bien, c'est bien. C'est pas bien, c'est pas bien, quoi. Je mentirai pas aux abonnés. Voilà, les gars. Franchement, encore un grand merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Cette semaine, j'ai commencé, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, donc c'est-à-dire Snapchat, le Kirkland. Voilà, j'ai commencé le Kirkland cette semaine. Je vais vous dire un truc, les gars, franchement. J'ai commencé mercredi à prendre le Kirkland. C'est un truc de malade. Voilà. Je me suis tondu samedi dernier. Quand vous avez vu par rapport à ma vidéo de dimanche, voilà, je m'étais tondu le samedi. C'est un truc de malade. Là, commence à repousser cette semaine. Voilà, on commence à vraiment bien voir les poils. Ça noircit de partout. Même là, le trou que j'avais commence à avoir des poils noirs qui arrivent. Donc c'est génial. Vous allez voir ça de toute façon tout à l'heure. Voilà, donc. Pour répondre à quelques personnes qui m'ont posé des questions par rapport au Kirkland. Alors franchement les gars, je pense que c'est un... Vu que ça vient des États-Unis, le produit est peut-être un peu plus concentré par rapport aux produits français vu qu'on n'a pas les mêmes normes. Je peux dire des bêtises, je ne sais pas si je dis une bêtise ou pas. Donc je mets ça en réserve. Je ne sais pas, voilà, bon, je ne peux pas vous dire. Alors le Kirkland... Ça n'a rien à voir avec le Cooper que j'avais, la marque Cooper là, que j'avais. Ça n'a vraiment rien à voir. J'ai mis le Kirkland. Franchement, les gars, j'ai senti quelques petits picotements. C'est normal. Voilà, faut le temps que sa peau, faut le temps que la peau prenne en compte un nouveau produit, je pense. Et voilà, c'est normal. Mais par contre, énormément la peau sèche. Alors, pire que le Cooper, vraiment la peau très très sèche. J'ai beaucoup de petites pellicules. J'ai un abonné qui vient de me demander il y a quoi, il y a un quart d'heure même pas sur Snapchat. Et il m'a dit, est-ce que tu as la peau sèche et comment se débarrasser des petites pellicules qu'il y a dans la barbe. Alors les gars, c'est tout simple. Pourquoi ça fait des petites pellicules? Parce que c'est des peaux mortes. Donc automatiquement, qui dit peau morte, eh ben, c'est assèchement de la peau. Donc vu que c'est un assèchement de la peau, il faut tout simplement hydrater sa peau à chaque fois qu'on n'a pas le minoxidil, donc c'est-à-dire vu qu'on l'applique deux fois par jour, entre les deux applications, mettre un peu de crème hydratante, je ne vais pas faire de pub, mais soit Nivea, soit, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas trop les noms, à part la Nivea, ou alors les choses pour les bébés, ou quoi que ce soit, ça marche très très bien, voilà, donc on en met, et les pellicules, au bout d'un moment, vont s'enlever, puisque de toute façon, c'est des peaux mortes. Voilà, mais il faut surtout bien hydrater sa peau parce que plus la peau va être propre et hydratée, plus le poil va se développer puisqu'on n'aura pas les pores de la peau bouchés. Voilà les gars, donc moi cette semaine je suis super content, j'ai commencé le Kirkland et je vous en dirai des nouvelles, mais c'est très prometteur. Voilà les gars, donc la page Facebook, je suis un peu déçu, je vais vous dire honnêtement, je suis un peu déçu, la page Facebook elle a du mal à se développer. Ça met beaucoup de temps là pour au niveau des abonnés sur la page Facebook. Je pense que c'est compliqué, mais n'ayez pas peur, allez voir. De toute façon, tout sera dans la description. La page Facebook,
La page Snapchat aussi sera dans la description. N'hésitez surtout pas, les gars. Voilà, même si vous avez des complexes, de toute façon, moi, je suis là pour en parler avec vous. Je suis pas Mère Teresa ou qui que ce soit, mais voilà, je suis là pour en parler avec vous et n'hésitez pas. Et venez partager votre aventure avec moi et avec les autres abonnés. Voilà, les gars. Je voulais vous dire aussi, j'utilise ceci. Donc, on va faire, voilà. Bon, la marque, c'est une Frank Provost que j'ai acheté dans une grande surface à côté de chez moi. Brosse en poils de sanglier. Alors, très important, je me brosse le visage, la barbe, au moins 3 fois par jour. Parce que la brosse poils de sanglier va vous servir à discipliner votre poil. Donc, c'est-à-dire, là, vu que le poil est en train de se former et de pousser, il faut le discipliner tout de suite. C'est comme les cheveux, on met un coup de peigne ou quoi que ce soit, ou un coup de brosse. Voilà, on se discipline le poil de façon à ce que le poil soit bien dans le mouvement que l'on désire. C'était juste une petite aparté pour vous dire que moi, j'utilisais cette brosse. Si vous voulez que je fasse une petite vidéo explicative, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou dans Snapchat. Voilà, les gars, on va passer à mon évolution de 3 mois, les gars, ça y est, c'est juste énorme. Le temps passe super vite, je suis super content de partager ça avec vous. Et le temps passe très, 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 très vite. Donc, les gars, c'est parti, mon évolution de 3 mois. Alors, les poils de nez, comme la semaine dernière. Non, c'est pas vrai, je rigole. J'aime bien vous faire cette petite blague, elle est cool. Alors, au niveau de la moustache, vous voyez les gars, franchement, c'est juste hallucinant. Là, au niveau de la moustache, voilà, là, ça a très, très, ça a bien pris, là, ça noircit énormément. Là, les commissures du côté de la joue faible. Voilà, ça y est, ça commence à très, très bien se former. Les commissures de la joue forte, y a rien à dire. Je veux dire, ça y est, c'est fait. Alors là, les gars, l'évolution de cette semaine, ça va être plus la joue faible. Voilà. Alors celle-là, c'est ma joue faible. Vous allez voir au niveau des pattes. Voilà, au niveau des pattes, c'est juste hallucinant, quoi. Là, au niveau de... en bas de la joue, au niveau de la mâchoire. J'espère que vous voyez bien. Alors la mouche. Le menton. En dessous. Bon, alors là... y a rien à dire. Et la joue forte, les gars. Voilà. Voilà, de toute façon, tout commence à vraiment être bien, bien formé. Là, c'est pareil. Et là, au niveau de cette joue-là, là, où j'ai mon trou, là, voilà, le trou commence à se combler. Et je pense que c'est par rapport au Kirkland, parce que ça avait vraiment du mal avec l'hôte, mais là, au niveau dès que j'ai commencé à mettre Kirkland, là, donc ça fait 4 jours, voilà, là, j'ai mes poils qui commencent à noircir, quoi. Voilà. Voilà, les gars, j'espère que ça vous plaît. Comme d'habitude. En même temps, si vous regardez ma chaîne, c'est que ça vous plaît, parce qu'autrement, vous ne regarderez pas. Enfin, c'est ce que je dis. Après, je sais pas trop, quoi. Mais bon, on verra bien. Mettez dans les commentaires si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Et puis, si ça vous plaît pas, au pire, bah, c'est pas grave. Venez pas me voir tous les dimanches. Comme ça, bah, ça sera réglé. Les gars, c'est pareil. Je vais parler en général. Si des marques... je dis n'importe quoi, n'importe quelle marque par rapport à des soins, de la barbe ou quoi que ce soit, vous regardez ma chaîne, n'hésitez pas à me contacter en privé pour que je puisse présenter des produits, si possible, à mes abonnés préférés que j'aime, que j'adore, que voilà. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Donc ça va être juste sur le côté, là, où il y aura la petite photo. Je vais vous balancer aussi un petit encadrement si vous avez loupé ma vidéo de la semaine dernière, de la semaine d'avant, de la semaine d'avant. Enfin, si vous avez loupé ma vidéo, quoi.
Et moi, les gars, je vous dis bonne barbe et à dimanche prochain. Allez, ciao!